go. Panza, hey, quand t'es le roi du terrain. Panza. Et puis s'en fout. C'est une humeur. Avec la vitesse et la construction, t'enflamme le cœur de toute la nation. Y'a pas quelqu'un. On va se dire que le premier couplet, tu y es. Tu m'as le deuxième couplet. Panza. Tes adversaires vont danser, chauffer, ils vont danser, chauffer. Eh, hey, t'es le roi du game. Ouh. Le leader. Oui. Continue de briller, on souhaitait te voir remporter le ballon d'or. On sait que t'es talent inégal et depuis tout petit tu sais ce que de briller. T'as pas voulu te remplir que de succès. Tu es Aubameyang, Chakanoule, Aubameyang, Tadi Gigi, Aubameyang, Chakanoule, Aubameyang. Ou bien Tadi Gigi. Santa la babou. Et y'en a mis. Alors ici on parle un peu du grand retour de Pablito du Banzai et Santilova. Assez retour violent les gars. Parce que franchement, moi je m'attendais pas à ça. Hein. Je pensais pas qu'ils allaient faire un retour aussi violent. Déjà ils avaient disparu pendant un temps et vous savez qu'au Gabon quand tu disparais on t'oublie rapidement, tu disparais, bye bye. Alors, Pablito il revient d'abord avec son hit Ndolo Ndos, il frappe 1 million de vues sur YouTube, pas bon. Il ne reste pas là, il fait un deuxième hit, cette fois-ci avec Santilova, Lutis, Aubameyang, les gars. Le son n'est pas encore sorti mais je sens, ça sent le million. Ouvrons un peu la parenthèse sur Aubameyang les gars, parce que lui c'était un joueur, franchement, c'est le meilleur joueur gabonais actuellement. Ouais, il faut l'avouer, Aubameyang c'est le meilleur joueur gabonais les gars, meilleur buteur de tous les temps, depuis que le Gabon est Gabon là, c'est lui. Mais il y a des artistes qui chantent toujours pour lui, moi je vois des artistes qui chantent pour lui, je ne sais pas, est-ce qu'il envoie des pourboires? Point d'interrogation. Est-ce qu'il envoie quelque chose à ces artistes-là qui essaient de lui montrer qu'on l'aime, que les Gabonais l'aiment malgré tout? Donc malgré que parfois il nous oublie, malgré que parfois il rate des pénaltys, il fait des choses au stade, est-ce qu'il encourage aussi ces artistes-là? Moi c'est la question que je me pose en fait, j'ai bien envie de savoir. Là, Pablito Santilova, il pouvait faire d'autres sons, il pouvait faire encore le son qu'ils ont l'habitude de faire, le titre. Ils ont décidé de chanter pour Aubameyang. Malgré qu'il a raté le penalty, malgré qu'on a encaissé 4-1. Donc, c'est pour dire que malgré tout, nous on aime nos joueurs. On aime, il faut ce que nos joueurs ils nous aiment, qu'ils encouragent. Donc, c'est un peu ça quoi. Bon, on attend la sortie du son. On espère que franchement, le son va kiffer et tout. J'espère que, voilà. J'espère que le son, c'est pas juste un challenge sur TikTok et après voilà, mais quand même ça sent le million de vues, ça sent le million de vues. Alors les gars, dites-moi que pensez-vous de la nouvelle coiffe que j'ai faite. Alors c'est Malvinas femme qui m'a fait ça, c'est une TikTokeuse gabonaise, voilà, au Maroc. Très bien, donc pour tous ceux qui sont au Maroc, filles comme garçons, vous voulez des coiffures, vous contactez-moi et je vous mets en relation avec Malvina, spam qui fait des coiffures et tout. Voilà. Elle coiffe très bien en tout cas. Je ferme la parenthèse. Revenons sur Pablito et Santilova. Donc, ils ont eu beaucoup de balbeuses en fait. Ils ont eu trop de balbeuses depuis qu'ils sont allés en France. Mais malgré ça, ils n'ont pas baissé les bras. Ça, c'est déjà encourageant. Chapeau. Donc, malgré tout ça, ils sont revenus en force et tout. Parce qu'on a vu de ces artistes gabonais, après un petit balbeuse, ils ont disparu. Plus jamais entendu parler. J'ai juste pas envie de citer les noms ici. En tout cas, les artistes ont le petit cœur. Voilà, quand t'es un artiste, faut pas avoir le petit cœur. Déjà, nous on attend le clip. Voilà. Il faut qu'on note, il faut qu'on critique. Parce que tous les artistes qui font les clips, les sons et qui n'aiment pas qu'on critique là, ils ont le petit cœur. Si t'es sur les réseaux, c'est que tu savais qu'on lui était critiqué. Parce que si tu pars contre les critiques, tu quittes des réseaux. C'est aussi simple que ça. Tu fais pas un son que tu as publié sur TikTok ou sur YouTube. Forcément, à critiquer. Donc, faut accepter les critiques. Même moi qui fais des vidéos et tout, je sais que, voilà. Moi, j'accepte toutes les critiques. Parce que j'ai accepté d'être là. C'est ça. Donc, faut pas avoir le petit cœur. Maintenant, en ce qui concerne le style de musique des deux là, du duo, Pablito et Santilova, leur style de musique, que dire?
C'est vraiment en fait ce que j'aime avec eux, c'est que c'est la musique pure gabonaise en fait. Eux ils chantent vraiment pour le public gabonais. Voilà. Maintenant après pour l'international, disons qu'ils touchent un peu, disons le Congo, un peu la Côte d'Ivoire, un peu le Cameroun, la Guinée bien sûr. La Guinée à côté là, ils touchent la Guinée. Voilà, en fait, ils touchent l'Afrique déjà centrale, un peu là côté tout. Mais disons international, là ça va être compliqué parce que ceci des musiques là, je pense pas que ça pourra les amener loin. Mais en les voyant, c'est pas ceux qui veulent faire la musique aussi pour que tout le monde puisse écouter à l'international. Voilà, eux ils veulent faire pour leur muse et tout, tranquille quoi. Je connais pas leur plan ou leur projet de musique, je sais pas. S'il veut faire une grande carrière ou il veut juste faire une petite carrière au Gabon. C'est ça le problème avec les artistes gabonais, parce qu'on ne sait pas en fait leur vision, on ne sait pas s'ils veulent faire une grande carrière quoi. Voilà. Prenons l'exemple de Emma. Emma est nouvelle, pourtant l'un des anciens des artistes gabonais qui ont percé depuis. Mais à chaque fois qu'ils font des sons, c'est toujours trop tendance Gabon, genre c'est fait pour les Gabonais. C'est vrai que ça touche un peu les pays qui sont voisins à côté là, mais c'est vraiment trop pour le public gabonais en fait. Ils font des années, d'autres font 10 ans. C'est, même si des musiques n'évoluent pas. 5 ans, même si des musiques. Je prends l'exemple de Donzer en fait. Donzer, depuis qu'il est arrivé, lui c'est juste le Gabon qui chante. Hein. Donc bon, peut-être il n'a pas des projets de faire une grande carrière et tout. Chacun a sa vision. Comparer Donzer à Emma, c'est pratiquement une chose différente. Pourtant, Emma vient d'arriver, mais vous voyez comment elle se cherche. Elle essaye de faire la musique que tout le monde puisse écouter à l'international et tout. Genre. Donc, il y a une très grande différence. Voilà. L'oiseau rare aussi, en fait, lui, sa musique, c'est... Il y a des fois, tu sens qu'il veut toucher un plus grand public, mais lui, ici, il est encore trop accroché au Gabon. C'est vrai qu'il touche un peu le Congo, la Côte d'Ivoire, etc. Mais lui, vraiment, tu sens qu'il est plus attaché au public gabonais. Nous, on aimerait que nos artistes essayent un peu de voir plus loin aussi, parce que si vous touchez l'international, forcément, les Gabonais vont vous kiffer, en fait. C'est ce que vous ne comprenez pas. Si vous arrivez à kiffer l'international, vous aurez forcément le cœur du public gabonais. C'est aussi clair que ça en fait. Donc, bah, je dis pas tout le monde chante aussi pour l'international. Bon, tout dépend des inspirations. Si tu veux chanter pour nous les Gabonais seulement, bah vas-y. Mais sauf qu'on aimerait aussi certains qui se démarquent et tout. Il y a des artistes gabonais qui essaient de se démarquer, à l'exemple de Jules Vili par exemple. Lui il fait des sons, tu sens qu'il y a quand même une inspiration. Tu sens dans sa tête, tu sens qu'il pense beaucoup. Il pense très loin. Mais c'est ça parfois le défaut. Quand tu essaies de montrer aux gabonais qu'il t'a envie de penser plus loin, ils sont pas avec toi. Souvent, ils balancent des sons sur YouTube, bah, la visite. Le nombre de vues, c'est pas ça. Pourtant, c'est que le son il est bon. Le son il est quand même bon, mais le nombre de vues, c'est pas ça. Enfin, il y a des artistes comme ça en fait. Ils font des sons, genre. C'est vraiment dommage en fait. Mais on encourage toujours nos artistes de chercher, de viser plus loin. Parce que c'est ça en fait. Si vous voulez que le Gabon soit plus connu à l'international, visons plus loin, les gars. C'est ça. Faut juste vous comparer avec les artistes congolais. Vous voyez, les artistes congolais. Ceux qui sont en France, là, ils font des sons pour un très grand public. Mais après, ils peuvent mélanger Lingala. Mais déjà, ils ont touché le plus grand public. Après, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Une fois ils ont tout le public, ils peuvent chanter ce qu'ils veulent après quoi. Mais sinon c'est ça. Et voilà pourquoi les Congolais sont devant nous aujourd'hui, parce que eux ils font plus des sons qui visent l'international quoi. Là je parle pas des Congolais qui sont coincés là-bas au Congo, je parle de ceux qui sont un peu, ceux qui voyagent et ceux qui voilà, ceux qui font des sons un peu en France, de gauche à droite, en Belgique et tout. Donc c'est ça les gars, bon c'est pas en même temps pour comparer les artistes et tout, chacun fait selon son inspiration. Moi j'ai juste parlé, c'est pour encourager nos artistes d'essayer d'avoir une inspiration un peu plus poussée quoi. Voilà, toucher un plus grand public, tout simplement les gars. Parce que là on est en 2025, hein. Dans quelques mois on est en 2025. Et ils ont divisé plus loin les gars. Nous on va toujours critiquer, on est là, c'est pour ça. On va critiquer, c'est ce qui va aider nos artistes à se développer et tout. Même si on nous insulte, c'est pas grave. On est là pour ça, les gars. Donc, moi, les artistes actuellement que je kiffe bien, que je sens qu'ils font beaucoup d'efforts. Niveau international, qui essaie de viser international, les gars. Il y a déjà, premièrement, j'ai cité Emma. Ça, c'est clair.
Tout le monde sait qu'elle cherche à viser l'international. Après, moi, on a qui? C'est la partie où tu commences à réfléchir. Tu prends l'oiseau rare. Tu tâtonnes un peu parce que sans que lui, il est trop l'argot, etc. Lui, c'est franchement sur le Gabon. Mais comme sa musique, elle est bonne, il arrive quand même à toucher les autres pays à côté. Tu prends l'autre là, Général Itachi. Lui là, on sait que lui, c'est le Gabon. Il passe, on prend au hasard le limite. Gabon 100%. Pourtant, ce sont nos goûts actuellement, nos artistes les plus écoutés. Tu prends qui ça? Eboloko. Eboloko, lui, il commence un peu, il commence, disons, le fait qu'il se mette à chanter en français. Bon, lui, son truc, c'est juste les remixes et tout. Mais quand même, il touche un peu plus loin. Je pense que lui-même était surpris de toucher un peu plus international. Mais quand même, il commence à toucher un peu plus loin. Il peut le faire. Il peut le faire s'il chante plus en français. S'il ne met pas trop l'argot dans ses sons, il peut toucher un plus grand public. C'est juste la chose à faire. Et Bloco, lui, s'il est un peu... Lui, c'est la gamme de l'oiseau en même temps. Fetindos, n'en parlons pas. Lui, c'est 100% Gabon. Il y a qui, en fait? Pour l'instant, là, il y a quasiment encore gens que nous avons vus à la 100% international. Après, on prend Darcy. Les artistes comme Darcy, Evans, eux aussi, tu sais, eux, c'est dans leur tête, là, c'est l'international, tu vois, c'est ça. C'est pas... S'il leur manque un truc pour bien prendre l'international, je ne sais pas. C'est comme s'il leur manque un petit truc, là. Mais sinon, eux, ils sont sur le bon chemin, Darcy, Evans... Il y a des artistes comme ça, quoi.